La Twist Scout, ça vient à l'origine de discussions sur des forums, des mailing lists à l'époque, on parle de 2000. Quelques jours après le nouvel an 2001, est venue l'initiative de créer un site au service de tous les scouts, entre plusieurs chefs scouts. Nous avons fondé une association pour mieux nous organiser. Puis le site s'est de plus en plus ouvert en dehors des scouts de France. À l'époque, ça s'appelait comme ça, pour s'adresser à tout le mouvement scout en France, en Belgique, en Afrique, tout ce qui est scoutisme francophone en fait. Ces compétences-là en fait qu'on a, que nous on a dans le scoutisme, on ne se les limite pas à les diffuser dans le scoutisme, on cherche à les diffuser au maximum. De plus en plus de colos plein air existent, ils viennent chercher les fiches chez nous. Et je trouve ça pertinent de se dire que cette proposition-là, elle sert aussi à d'autres, alors, d'autres programmes et d'autres spiritualités et d'autres visions du monde. Le scoutisme, et pour moi en particulier derrière, c'est apprendre à vivre ensemble, quelle que soit son origine, quelles que soient ses opinions et ce genre de choses. Et du coup, s'installer ensemble, faire communauté ensemble, dans un endroit perdu au fin fond de la pampa, sans réseau, quoi que ce soit, sans tous ces trucs-là, ça fait pas mal sens sur ce vivre ensemble. On voit aussi dans notre époque l'enjeu du vivre ensemble. On se dit que si tous les jeunes vivaient ensemble, ça serait peut-être mieux. On construit la maison ensemble. On vit dans notre maison ensemble, après on plie la maison ensemble et on laisse le terrain propre comme si on n'était pas passé. Il y a un enjeu aujourd'hui à se dire que juste camper dans la nature, ça ne décide pas des grandes compétences, des grands trucs. Et pour autant, on vit des activités très fortes avec des souvenirs impérissables. On se dit que c'est quand même pas mal.